fois, il arrive qu'un enfant se propose spontanément de faire des recherches. Alors, je lui dis d'y aller. Je ne dis jamais non à une proposition spontanée, mais je ne demande jamais rien aux enfants. Ça a pu se manifester de plusieurs façons dans le passé, au fur et à mesure des déballages de supports. Un enfant se propose de rechercher un mot de vocabulaire, un concept, peu importe, une pièce qu'il nous manque pour avancer. Je peux aussi bien leur faire faire un pendu si ça traite un mot de vocabulaire ou leur poser différentes questions pour leur faire deviner. Puis, si la séance a déjà été bien pleine, ça peut m'arriver de donner directement des réponses. Autre cas de figure, un groupe d'enfants veut faire un exposé sur le cerveau. Pendant les ateliers, ils se regroupent pour mettre en place leur scénario alors que la séance se déroule avec les autres élèves. Je les laisse faire. Ils viennent me voir à chaque récréation pour me dire où ils en sont alors que je ne leur demande rien. Puis un jour, ils arrivent et me disent « C'est bon, on est prêts aujourd'hui. » Alors ils y vont.